Aujourd'hui, la petite République du Guyana célèbre ses 42 ans d'existence dans une ambiance très caribéenne. Descendant d'esclaves africains, arrière-arrière-petit-fils de travailleurs indiens, chrétiens hindous et musulmans, avec son étrange mosaïque de population, cette ancienne colonie anglaise est un pays à part en Amérique centrale. Alors que dans le centre-ville de Georgetown, la capitale, la fête bat son plein, Roy supervise la réparation de son camion, un vieux Bedford de l'armée anglaise. Ce chauffeur est une vraie tête brûlée. Il va là où les autres refusent d'aller. Ça va les gars ? Ils changent les plaquettes de frein, car celles-là sont mortes. En général, tous les 4 voyages, il faut les changer. Les routes du Guyana sont sans pitié, mais en un seul voyage, Roy peut gagner jusqu'à 300 euros, plus de 2 fois le salaire minimum. Les camions peuvent se renverser. Il n'y a pas longtemps, il y en a 2 qui ont fini sur le toit. On peut avoir de la boue jusque-là, plein de boue. Parfois, ça monte jusqu'aux fenêtres. Chaque semaine, Roy ravitaille en essence les mines d'or à l'intérieur des terres. Sans lui, les mineurs ne pourraient pas travailler. Le Guyana est l'un des pays les moins peuplés du monde. 800 000 habitants pour un territoire grand comme l'Angleterre. 94% de la population vit sur la côte. Partout ailleurs, l'immense forêt amazonienne avec ses fleuves infranchissables et ses pluies diluviennes. La jungle, c'est le terrain de jeu des Bedford. Ces camions sont les seuls à oser l'affronter. Allez, allez ! Pour les chauffeurs, conduire est une lutte perpétuelle contre les éléments. Votre œil ! C'est pas gagné. Ici, on ne compte pas en kilomètres, mais en jours passés sur la route. Certains convois disparaissent même plusieurs semaines. Au-delà de la forêt, les cow-boys règnent sur la savane et ses immenses troupeaux. On dit que c'est dans ce pays oublié que se cache le fabuleux Eldorado. Nous sommes sur le fleuve Essequibo, il est 6h du matin. Roy vient d'embarquer sur le premier bac de la journée. À l'arrière du camion, assis sur 2500 litres d'essence, quelques chercheurs d'or. Leur destination, les mines de Blackwater. L'endroit n'est qu'à 50 km, mais la piste est l'une des plus dangereuses du Guyana. Les chauffeurs vont rouler en convoi. Ce matin, c'est Devin qui ouvre le passage. J'ai passé toute la semaine derrière le volant et je n'ai pas encore dormi. Trois voyages. Là, c'est le quatrième et je n'ai toujours pas fermé l'œil. Roy se montre beaucoup plus nerveux. Je dois me concentrer sur la route, sinon on aura plein de problèmes. Le convoi débouche sur une succession de ponts vermoulus, rongé par l'humidité. Attends. Ça passe de ton côté ? On attend souvent qu'ils s'effondrent avant de les réparer. Les camions s'enfoncent dans la jungle. Il n'a pas plu depuis des jours, mais la route est détrempée. La piste de Blackwater ne sèche jamais. À chaque voyage, c'est toujours plus difficile. Il y a plein de camions qui montent et qui descendent. À chacun de leurs passages, la piste se détériore un peu plus.
Malgré leurs quatre roues motrices, les véhicules patinent. La progression devient lente et pénible. Il faut le treuil. C'est trop dur de conduire ici. Il faut sortir le treuil. En contrebas, Roy surveille la manœuvre et attend son tour. Quand tu es embourbé, tu dois dérouler le câble et l'attacher à un arbre pour sortir le camion. Ici, personne ne passe sans utiliser un treuil. Dérouler le câble à bout de bras, trouver un arbre suffisamment solide et bien placé pour l'attacher, c'est le rôle des assistants. J'ai été l'un d'entre eux. Quand j'avais 16 ans, je travaillais comme assistant. Et puis, je suis devenu chauffeur. Tire-le, tire ! Devin enclenche son treuil. Le câble s'enroule lentement sur lui-même, tractant les 8 tonnes du camion et de sa cargaison. L'intérêt de voyager à plusieurs, c'est qu'à l'arrière, Roy va pouvoir se faire remorquer. Le plus important, c'est de bien choisir sa trajectoire. Il faut trouver le meilleur passage. Conduire prudemment, c'est rentrer sain et sauf. Pour ça, il faut de l'expérience et savoir s'en servir. La vitesse du convoi n'excède pas les 5 km/h. Sortez le treuil. Le labeur se transforme en une longue et douloureuse succession d'efforts. Il est midi, la température dépasse les 40 degrés. Le taux d'humidité, lui, flirte avec les 90%. À présent, les bêtes Ford n'avancent plus qu'à la force du treuil. Tandis que Devin lutte pour franchir une côte, deux de ses passagers l'ont devancé à pied. Ils ont trouvé de quoi dîner. On l'a tué. Si on en trouve un autre, on pourra te le vendre. En 6 heures, le convoi n'a parcouru que 30 km. Ils arrivent sur un plateau, mais une autre épreuve les attend. La piste n'est plus qu'un immense marécage. À bord, les passagers sont fouettés par les ronces et malmenés par le roulis. Votre chien n'a pas peur ? C'est la première fois qu'il fait ce voyage ? Non, c'est la deuxième fois. Et vous pensez qu'il aime ça ? Sous l'eau, impossible de repérer les ornières. Certaines sont profondes de plus d'un mètre. Si les assistants trouvent encore la force de s'amuser, Devin, lui, est à bout de nerfs. Et l'autre qui est encore perché sur son tonneau. Descends, idiot. Allez, tire, mon pote. En essayant de se dégager, Devin s'enfonce encore davantage. Roy décide de tenter un autre passage. Ici, la piste semble en meilleur état, mais rien pour accrocher le treuil à proximité. Les assistants doivent tirer le câble sur plusieurs dizaines de mètres. La plupart travaillent pieds nus. Au Guyana, les voies les plus simples en apparence s'avèrent parfois les plus difficiles. Roy se retrouve piégé, cerné par les ornières. Le chauffeur doit mettre toute la puissance de son moteur dans la bataille. À tout moment, le camion peut se renverser. «
Le combat dure près d'une heure. Vous avez un très bon camion. Oui, très costaud. Le chauffeur est fort lui aussi. Après 10 heures de route pour 50 km, le convoi arrive enfin aux mines d'or de Blackwater. Au cœur d'une des forêts les plus sauvages du monde, une armée de tractopelles retourne la terre. Ici, on détourne l'eau des rivières et on rince sans cesse le sol dans l'espoir de trouver la moindre poussière d'or. La vie est rude dans cet endroit reculé. On dort à la dure sur de simples toiles de tente. Les hommes déchargent les vivres avant de s'attaquer au bien le plus précieux, l'essence. Les besoins en carburant sont énormes. Cet excavateur-là fonctionne 24 heures sur 24. Il consomme 2 bidons par jour. Les dragues, elles ont besoin de 2 bidons par jour aussi. Alors 20 bidons, ça ne me dure qu'une semaine. Mustapha, le patron de cette mine, est loin d'être un millionnaire. Le réapprovisionnement engloutit presque tous ses bénéfices. Ce camion avec son chargement, l'essence et les vivres, la viande, bah tout ça, ça me coûte 10 000 euros. Chaque voyage, c'est 10 000 euros. Comme beaucoup de Guyaniens, Mustapha a vécu aux États-Unis. Il y a passé près de 30 ans. Hélas, un revers de fortune l'a forcé à rentrer au pays, tenter sa chance dans les mines d'or. J'ai ma femme et mes deux filles aux États-Unis. Je rentre tous les 4 ou 5 mois. Ce n'est pas une vie facile, il faut faire des sacrifices. Mais aux États-Unis, tu sais, tu ne vis que pour payer les factures. Ici, pas de salaire. Les mineurs sont payés au pourcentage. Ils doivent souvent patauger dans l'eau des journées entières avant de trouver quelques grains de poussière d'or. C'est pas facile. Les gars vont finir de travailler vers 18 heures. Après, ils vont se laver dans la rivière. Ensuite, ils dînent et vont se coucher vers 20 heures. Demain, ils seront debout dès 3 heures du matin pour reprendre le travail. Tous les jours. Et puis, il y a la malaria, le typhus, la dengue. Il faut subir tout ça. Ici, tout le monde a la malaria, y compris moi. Quand tu viens ici, tu finis toujours par l'attraper. À quelques dizaines de kilomètres de la mine de Mustapha, d'autres ont opté pour une technique beaucoup moins fatigante. Dans un méandre de la rivière Potaro, une étrange créature de tôle et de métal rouillé. À bord de cette barge, 5 Brésiliens en quête de fortune. Leur machine infernale aspire sans relâche la vase dans l'espoir de tomber sur un gisement. Ce vacarme assourdissant ne s'arrête jamais. Mais pour ces hommes, c'est toujours mieux que de travailler dans les mines. Oui, c'est un problème pour les oreilles, mais on finit par s'habituer au bruit. Ils vont passer 6 mois sur cette barge sans jamais rentrer chez eux. Ces dernières années, cette région au cœur du Guyana connaît une nouvelle ruée vers l'or. Après des semaines dans la jungle, les hommes viennent à Madia chercher un peu de vie sociale. Cette bourgade de 4000 habitants est la seule ville des environs. L'état des rues contraste avec les rêves de fortune qu'inspire la région. Tout le monde ici vit au rythme des chercheurs d'or. Le principal commerce se fait dans ce genre d'échoppe. On rentre ici avec beaucoup d'espoir et on repart souvent avec ses désillusions. On est venu ici pour vendre notre or et on va rien en tirer. J'ai pas raison? Et toi qui as vendu ton or? Vas-y, file-moi 1000 dollars ou même 500, donne-moi ta monnaie. Tu me dois bien ça. Pas maintenant. Et pleure pas, hein? Non, pas moyen. Pourtant, tu sais qui je suis, t'es pas un vrai pote. Je t'ai dit pas maintenant. Tiens, fais-moi un bon prix, mec. L'or est payé au poids.
Pour un gramme, un mineur peut espérer toucher une trentaine d'euros. La plupart du temps, cet argent durement gagné est aussitôt dépensé dans les bars de Madia. Depuis l'arrivée des chercheurs d'or, la prostitution a explosé, et avec elle, l'épidémie du sida. Au Guyana, cette maladie est la principale cause de décès chez les 25-44 ans. Bien loin des difficultés de l'intérieur, Georgetown est une ville où il fait bon vivre. Le carnaval fini, la capitale a repris son activité normale. Au centre de cette effervescence, le marché couvert. Au pied de ce grand édifice à l'allure victorienne, les files de minibus s'allongent. Ces véhicules sillonnent quotidiennement les routes et les pistes du Guyana. C'est souvent le seul moyen de voyager d'une ville à l'autre. Vernon en conduit un depuis plus de 10 ans. Sa destination, Letem, une ville perdue 420 km plus loin, à la frontière brésilienne. Quelques chauffeurs viennent d'arriver. Vernon en profite pour aller aux nouvelles. Chauffeur, comment est la route ? Mauvaise. La route est mauvaise ? Eh oui, mauvaise. Mauvaise comment ? Il y a de très gros trous. Ce soir, les clients ne se bousculent pas. À 8 heures, Vernon se décide quand même à prendre la route avec seulement 2 passagers à bord pour 9 places disponibles. Le prix des tickets ne couvre même pas ses frais. Comme la concurrence est rude, mieux vaut ne pas refuser un trajet. Si on attend le dernier moment pour finalement annuler le voyage, la prochaine fois, les passagers choisiront un autre minibus. Une course effrénée s'engage entre les chauffeurs. Le premier bac pour traverser la rivière part à 6 heures du matin. Malgré les trous et les bosses, Vernon met le turbo. À l'arrière, un passager montre déjà des signes de faiblesse. Il faut vraiment qu'on arrive à la rivière sur les coups de 4 heures du matin. Comme ça, ça nous laisse au moins une heure et demie pour dormir avant l'arrivée du bac. Alors que les autres minibus disparaissent dans la nuit, Vernon doit abandonner la course. Il y a un problème à l'arrière. Allez, faut que je change la roue. L'un des passagers lui donne un coup de main. Il est 1h du matin, à des centaines de kilomètres à la ronde, ce n'est que la forêt amazonienne. Ce sont des pneus tout neufs. Ils tiennent à peu près 4-5 voyages. En gros, ils me font 2 semaines, pas plus. Cette crevaison, c'est déjà 40 minutes de sommeil en moins pour Vernon. Impossible de rattraper le temps perdu. Le chauffeur atteint le fleuve juste avant le départ du bac. Les premiers véhicules commencent à embarquer. Déjà 10 heures de conduite et Vernon n'a toujours pas dormi. Tu ne ressens la fatigue que si tu t'arrêtes. Si tu conduis sans t'arrêter, tu ne ressens plus rien. De toute façon, tu n'as pas le temps de te reposer. Jamais. Pourra-t-il tenir encore longtemps ce rythme ? Il n'est qu'au milieu de son voyage. L'Essequibo est le fleuve le plus long et le plus large du Guyana. Sa traversée prend une 20aine de minutes. Pour ceux qui ont voyagé toute la nuit, c'est l'occasion de se rafraîchir un peu. L'attente du bac a remis tous les concurrents à égalité. Une nouvelle bataille va bientôt s'engager entre les chauffeurs. Le premier arrivé raflera le plus de passagers au voyage du retour. Si Vernon veut se refaire, c'est maintenant ou jamais. Si je trouve ça prudent ? Oui. Tant que tu contrôles le véhicule, tout va bien. De toute façon, son compteur a depuis longtemps déclaré forfait.
J'ai trois bus devant moi. C'est une question de survie. C'en est trop pour le passager malade. Il finit le voyage penché à la fenêtre. Vernon a gagné la partie et file vers les thèmes. Pour les autres minibus, la course continue. Et mieux vaut ne pas traîner sur leur passage. Quelques kilomètres plus loin, une silhouette solitaire s'avance sous un soleil de plomb. Ross, chauffeur de poids lourd, est en panne ici depuis deux jours. Autour de lui, la savane commence à prendre feu, mais il reste zen. Quand le soleil frappe fort, ce genre de feu peut brûler 600 hectares de savane en une journée. Ça arrive à cause des fortes chaleurs qui règnent ici. L'incendie peut prendre juste comme ça. J'ai de l'expérience, moi. C'est pas un problème d'être bloqué un jour ou deux. Tu vois, peu importe le problème, tu dois trouver une solution. Mais c'est un peu dangereux. Imagine si tu n'as plus d'eau. Tu sais, je suis un mec de la campagne, moi. Je viens de l'intérieur des terres. Je sais comment survivre dans la savane. Son camion a une avarie électrique. Un chauffeur de passage est allé chercher un mécanicien, mais cela peut prendre plusieurs jours. Ross ne doit pas bouger et surveiller sa cargaison de matériel de chantier. Tu ne peux pas laisser le camion. Ce camion représente des milliers d'euros d'investissement. Rien que la cargaison, il y en a bien pour 30 000 euros. Ce que je fais de mes journées, de mon temps perdu quand je suis en panne, j'écoute de la musique, je lis les journaux, des magazines, et puis c'est tout. J'essaie de rester un peu actif, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Rien d'autre que de s'asseoir et de se détendre en attendant les secours. Au Guyana, la patience est la première qualité d'un bon chauffeur routier. Comble de l'ironie, Ross n'est qu'à 10 km de Lethem, sa destination finale. Cette ville est la plus grande de cette région pauvre et isolée à la frontière brésilienne. À peine 3000 habitants, dont une majorité d'Amérindiens. C'est aussi le territoire des Bedford. Ces camions y trouvent une troisième ou une quatrième vie. Un groupe d'hommes s'affaire autour d'un modèle des années 60. Il faut changer les cieux. Amil, 39 ans dont 16 passés sur les pistes, supervise la manœuvre. Lève un peu. Too much. C'est trop. A little bit more. Un peu plus. Good. C'est bon. Good. Il travaille avec Danish, son fils de 21 ans qui débute dans le métier. Son camion fait parfois les frais de son manque d'expérience, mais le jeune homme tient à réparer ses erreurs. Je préfère faire ça moi-même. C'est mieux comme ça. Avec mes assistants, on répare et on assure le boulot. On ne trouve plus de pièces neuves pour les Bedford. Cet essieu est une occasion importée directement d'Angleterre. Il pèse plusieurs centaines de kilos. Ah, c'est lourd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le travail va durer toute la journée. La nuit tombée, il faut charger les deux camions. Ces vivres, le père, le fils et leurs trois assistants doivent les livrer à Monkey Mountains, un village réputé inaccessible. Deux jours, une semaine, un mois, on ne peut jamais prédire combien de temps va durer le voyage. L'endroit n'est pourtant qu'à 200 km plus au nord. Le pont s'est effondré sur la route principale. Il faut qu'on prenne un autre chemin. On va couper plus bas par la rivière. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Les 120 premiers kilomètres, Amil tient absolument à les parcourir dans la soirée. Tant pis s'il faut rouler près de 6 heures de nuit, mieux vaut en faire un maximum avant la grande inconnue. Après Karasabai, c'est carrément pire. Alors on va devoir passer la nuit là-bas et repartir vers 7h30 du matin. Sur cette route, on a besoin de voir ce qu'on fait.
À chaque génération, son style de conduite. Si le père ne relâche jamais son attention, Danish, lui, pousse le volume de ses écouteurs au maximum pour couvrir le bruit du moteur. Les camions arrivent au village de Karasabai vers 1h du matin. Cet abri est à la disposition des rares voyageurs de passage. Chacun se hâte d'y accrocher son hamac, mais il y en a un qui a du mal à trouver le sommeil. Non, on laisse allumer ! Amil fait les 100 pas. J'arrête pas de penser à demain. Est-ce qu'on va passer ou pas ? Au petit matin, toute l'équipe dort à point fermé. Pas de chant d'oiseau, mais le bruit d'un téléviseur pour troubler la quiétude matinale. Doc, l'épicier du village, vient de se réveiller. Dans sa boutique, on trouve tout et n'importe quoi. À la saison des pluies, c'est dur d'avoir des marchandises. Quand c'est sec, tu peux toujours trouver un véhicule pour te livrer. Mais quand il pleut, on est isolé comme sur une île. Doc s'est installé dans cette réserve indienne il y a 22 ans et les choses ont pas mal changé depuis. Il y a 22 ans, c'était très sauvage. Aujourd'hui, tu as une route qui arrive ici. On a plus de marchandises. Quand je suis arrivé, pour trouver une livre de sucre, il fallait marcher 10 km. Aujourd'hui, tu vois, les gens regardent la BBC par satellite. Ils sont modernes maintenant. Mais ils continuent de parler leur foutu dialecte. Les chauffeurs reprennent la route avec des passagers de dernière minute. Sœur Lydia arrive directement d'Inde. Elle vient prêcher la bonne parole dans les villages isolés. Merci beaucoup. Et dès la sortie de Karasabai, là, faut se mettre en quatre roues motrices. Avec les vitesses courtes. Amil vient d'enclencher les crabeaux. Ces petits rapports de vitesse démultiplient la puissance du véhicule. À l'arrière, Sœur Lydia savoure ce voyage vers l'inconnu. C'est une première pour moi. C'est ma volonté d'aller là-bas. Je veux rencontrer les gens qui vivent dans ces montagnes reculées. Je veux vraiment y aller. Amil garde un œil sur son fils dans le rétroviseur. Danish est toujours aussi enjoué. Les assistants, eux, profitent de leurs tout derniers instants de répit. Faut sortir le treuil maintenant. On a besoin du câble pour sortir le camion de là. Allez les amis, au boulot. Amil est respecté par ses assistants car il n'hésite pas à mouiller la chemise avec eux. Tu devrais essayer celui-là. L'utilisation du treuil est indispensable, mais elle n'est pas sans risque. Ok, good. Tout le véhicule peut faire comme ça. On risque d'endommager la mécanique et en particulier le châssis. Faut y aller très doucement. Si on glisse, on peut casser un essieu. Si on va trop vite, on peut se renverser. Mais doucement, ça devrait passer. Quelle aventure! Mais c'est très dur. Quand tu vois cette route, tu as du mal à croire que les gens arrivent à passer. Et malgré tout, ils acceptent de nous conduire. On apprécie qu'ils prennent autant de risques pour nous. C'est à la vie, à la mort. Mais tout est entre les mains de Dieu. Dieu est tout-puissant et décide de tout. On doit juste croire en lui, et voilà. La foi n'empêche pas la prudence. La religieuse est descendue du camion pendant la manœuvre. Amil s'en tire sans encombre, mais son fils à l'arrière est fébrile.
Le jeune homme a enlevé ses écouteurs. Vas-y doucement, il y a un gros trou devant. Stop, stop, stop. Danish s'est laissé entraîner dans le trou. Le dessous du Bedford est bloqué par la terre. Plus grave, le câble a pris une mauvaise position. Il n'est plus dans l'axe et va subir une tension très forte. Tu fais gaffe au câble, hein ? Il risque de casser à tout moment. Danish passe en force. Un bruit inquiétant se fait entendre sous le camion. Il a pété. Détends le câble. Merde. Le câble a cassé. Sans Troy, impossible de continuer. Prends ton temps, fiston, prends ton temps, on va s'en sortir. Amil tente une réparation. Tu vas le dérouler, Richie. Tu commences par ici et tu le déroules dans ce sens-là. Il va falloir détresser tout le cordage métallique à la main. À chaque geste, de fines échardes métalliques s'enfoncent dans les chairs. Coupe-le-là, juste ici. Avec ses moyens rudimentaires, la réparation prend plus d'une heure. Surveille le câble, surveille le câble. Plus question de répéter la même erreur. Ouais, détache-le. Tu peux passer par là. La route est meilleure. Et puis il y a ce gros arbre-là. Bouge-toi un peu, mec. Attends, fiston. Viens, viens. Par ici, par ici, par ici. Non, fiston, non! Le père refuse de prendre le volant pour aider son fils. Ce serait lui faire un affront. Doucement, doucement, plus doucement! À chaque manœuvre délicate, Amil va le guider. Attends, fils! Bien! Et on est reparti, toujours doucement. Autour du convoi, la jungle se fait toujours plus oppressante. Ici, ce n'est pas l'homme qui dicte sa loi. Fuck, putain, un serpent! Je déteste les serpents! I don't like snakes. Hey, you got a snake in front of you. Hey, y a un serpent devant, les gars! Vous avez peur des serpents? Ouais, j'en ai peur. J'aime pas ça. C'est pas bon. Pas bon du tout. Il y a plein de serpents très dangereux par ici. La forêt amazonienne grouille d'espèces venimeuses, souvent mortelles. La menace peut se tapir n'importe où. Pourtant, quelques mètres plus loin, les assistants n'hésitent pas à plonger une nouvelle fois les mains dans la boue. Ils doivent sortir les morceaux de bois, car si on roule dessus, ils peuvent se relever derrière et casser quelque chose sous le camion. Garder le contrôle du véhicule se fait au prix d'efforts épuisants. Allez, allez! Dans ce camion, tout est manuel. Il n'y a pas de direction assistée. Juste la force des bras. On passe aussi les vitesses en manuel avec les pédales. Tout est manuel. Oh, il fait chaud. À l'arrière, secouée et ballottée, sœur Lydia n'a pas perdu sa bonne humeur. J'avais rêvé de connaître une aventure comme ça dans ma vie. Ça restera gravé dans ma mémoire. J'en avais entendu parler, mais c'est pire que ce que je pensais. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que la route serait sèche, que ça serait une sorte de piste avec des montées à travers la jungle. Mais on a vraiment eu des moments difficiles. On a même dû attendre 2 heures à un seul endroit alors qu'on doit aller si loin. Ce voyage est vraiment dur. Mais bon, j'apprécie la bonne compagnie avec les gens d'ici et ma sœur là. Alors ça va.
mais le voyage s'éternise. La sœur abandonne le camion, tout comme les autres passagers. Le village où elle se rend n'est qu'à 2 km, elle ira plus vite à pied. Les Bedford, quant à eux, n'en sont qu'au tiers de leur voyage. Le câble de Danish a déjà cassé une fois, reste à savoir s'il va tenir le coup. Plus bas dans la savane, on rentre le bétail. Cette immense plaine, c'est le territoire des vaqueros, les cow-boys du Guyana. Ces hommes sont des cavaliers d'exception. Leur signe distinctif, ils refusent de porter des bottes et préfèrent monter pieds nus. Pour eux, passer 8 heures par jour à dos de cheval, c'est une seconde nature. Il n'y a pas vraiment de difficulté. On regroupe les vaches et on s'assure qu'elles sont toutes dans l'enclos. On les ramène ici pour vérifier si on en a perdu et si certaines sont malades. Ces hommes n'ont rien mangé depuis hier, mais leur premier geste est pour leur monture. Pendant ce temps, on s'affaire en cuisine. Norma met la main à la pâte et garde un œil sur tout. Ici, c'est elle la patronne. Seuls les Amérindiens sont prêts à travailler ici, parce qu'ils connaissent le boulot et sa dureté. Ils peuvent passer la journée entière dehors sans manger. Le principal problème dans cette région, ce sont les parasites. Un cadeau des chauves-souris vampires qui sucent le sang du bétail pendant la nuit. Ça, c'est à cause d'une morsure de chauve-souris. Elle s'est infectée et il commence à y avoir des vers à l'intérieur. Tu vois, là, ce sont leurs œufs. Ensuite, ça peut se propager dans tout le corps et faire des grosses plaies partout. Si on ne la traite pas rapidement, cette blessure finira par tuer l'animal. Pendant ce temps-là, un groupe de vautours attend son heure. Aujourd'hui, les cow-boys vont tuer une bête. On dépèce l'animal. Les bons morceaux seront pour les hommes. Le reste, pour les charognards. Les parties les plus tendres sont préparées en tasso, la nourriture de base du cow-boy. Une fois coupée, salée et séchée, cette viande pourra se garder plusieurs mois. Tout ce qui ne peut pas se conserver est aussitôt cuisiné. Ce soir, tout le monde aura sa part. Si la vie est dure, Norma ne partirait d'ici pour rien au monde. J'ai ça dans le sang, j'aime cette vie. C'est bon d'être un fermier et un éleveur. Au ranch, le crépuscule marque la fin du travail. Mais pour d'autres, la nuit risque d'être longue. Il est minuit passé, des lampes s'agitent dans l'obscurité. Amil et ses hommes sont toujours bloqués en pleine jungle. C'est très difficile. La pente est trop raide et rien pour accrocher le treuil. C'est que des bébés arbres, tout ça. Il faut en trouver un plus gros, un grand-père. Mais pour le trouver, ce grand-père, il faut s'enfoncer au cœur de la forêt. Toujours pieds nus, les assistants déroulent le treuil sur une soixantaine de mètres. Tire le câble ! Tire le câble ! Tu dois garder suffisamment de puissance pour monter. Le treuil de Danish a déjà rompu une fois. Va-t-il résister ? Le câble a cassé. L'heure se prête mal aux réparations. Il faut trouver une solution de fortune. On va faire une nouvelle boucle qu'on va accrocher à mon camion pour le tirer jusqu'en haut. Mais vous pensez que ça sera aussi solide ? Oui, aussi solide. Mais le câble sera plus court. Les 20 mètres de câble restants devraient permettre de remorquer Danish. Pas facile de faire un nœud avec un fil métallique de 2 cm d'épaisseur. Maintenant, on treuille et on remorque.
Fausse. Dis-lui de conduire très doucement. Cet endroit, Amil le connaît bien. Sous ses airs anodins, c'est une chose trappe. Il faut éviter les coups d'accélérateur brutaux. Le père est passé. C'est au tour du fils de franchir le marécage. Danish se laisse surprendre à la toute dernière minute. Son Bedford finit le nez planté dans la boue. On peut pas le tirer par là, il est trop enfoncé. Faut essayer de le treuiller en arrière. Quand je dis stop, tu t'arrêtes ici. Vous avez l'air fatigué. Oui. C'est les inconvénients du métier. Il est 3 heures du matin. Le mauvais sort s'acharne sur la troupe. L'arbre n'est pas assez solide, il n'a pas tenu le coup. Faut en trouver un autre, plus solide. Faut le tirer en arrière. Et puis il va encore essayer de passer. Une deuxième fois. Amil et ses hommes n'ont pas dormi depuis plus de 20 heures. Ils continuent de se battre avec l'énergie du désespoir. Recule, recule, recule! Au petit jour, la situation ne s'est guère améliorée. La fatigue a eu raison de toute l'équipe. Le camion de Danish est toujours de l'autre côté du Marigot. La nuit a été courte et le dernier repas remonte à hier matin. Pourtant, toute l'équipe se remet au travail, le ventre vide. Certains réparent le câble, d'autres préparent un manche de pioche improvisé. On est habitué à ça, on n'a pas peur. On se dit jamais que c'est un métier de fou. On essaie juste de pousser le plus loin possible. On ne veut pas s'éterniser sur la route. Bruce, l'assistant le plus expérimenté, trouve la solution. Si c'est l'eau qui pose problème, il suffit de drainer la route. Et voilà, l'eau s'en va. Il y en a là-dedans. Par là, par là, par là. Danish finit enfin par traverser. Nous sommes dimanche, il est 9h du matin. On est parti vendredi soir, vers 20h. On a mis 3h30 pour atteindre Karasabai. Et là, ça fait combien d'heures? Je sais pas, je fais jamais attention à ça. En tout, Amil a passé plus d'une trentaine d'heures au volant et n'a dormi que 6 heures. Je suis fatigué. Je suis fatigué et j'ai faim. Trois heures plus tard, Amil et son équipage débouchent sur une vallée. Cette eau fraîche sera leur seul petit déjeuner. Au fil des années, le chauffeur a fini par s'habituer aux souffrances du métier. C'est ce que je fais pour vivre. Conduire mon camion. J'aime pas ça, hein, mais j'ai pas le choix. Il se prépare à affronter une ultime épreuve, les pierres. On commence la grosse montagne à présent. Il ne reste que 10 km. Une heure de montée. À présent, les assistants continuent à pied, en éclaireur. Va devant pour dégager la grosse pierre. Cette grosse-là, là, cette grosse pierre. On ne peut pas s'arrêter dans la montée, même s'il y a une pierre. Et une grosse pierre, ça peut casser quelque chose sous le camion. Mais le Bedford de Danish est forcé de s'arrêter en pleine côte. Serre la corde pour pas qu'elle glisse. Faut que cette pierre sorte de là.
pousse-la vers le bas. Attache la corde, comme ça, ça ira. Mais elle est grosse, tu sais. Si on la tire vers nous, elle devrait sortir. Allez, on l'enlève. Le Bedford est fatigué. La mécanique est mise à rude épreuve. Hier, dans la montée, on a cassé quelque chose dans la boîte de vitesse. On peut toujours avancer, mais faut aller doucement. D'ailleurs, vous entendez le bruit là ? Tic-tac. L'embrayage part en morceaux et le camion n'en finit plus de caler. Je dois mettre cette cale quand le camion s'arrête pour l'empêcher de reculer. Sans ça, il redescendrait jusqu'en bas. Mètre après mètre, Danish finit par se hisser péniblement au sommet de la côte. Nous sommes à 900 mètres d'altitude. Monkey Mountain n'est plus très loin. Le jeune homme rêve déjà au plaisir de l'arrivée. D'abord, je vais prendre un bain. Je vais prendre du bon temps. Après, je sais pas trop. À Monkey Mountain, il y a des filles, tu vois ce que je veux dire. Alors, je vais en trouver une. Au crépuscule, le convoi arrive enfin à destination. Dans un dernier effort, les assistants déchargent le camion pour livrer les épiceries de la ville. Je suis fatigué. Ça a été un long voyage. On va se trouver un lit, manger, puis dormir. Le voyage a duré plus de 48 heures. Amil s'effondre. Demain, il reprendra la route en sens inverse. Sans les camions, Monkey Mountain serait complètement coupé du monde. Au cœur d'une réserve indienne perdue au fin fond du Guyana, ce village ne compte que 750 habitants, dont plus de 200 enfants. Ici, l'homme le plus important, c'est Harry. Le secret de son pouvoir tient dans ce petit sac. What's that stuff? C'est quoi ça? De l'or. Il a passé 33 ans dans les mines d'or avant de se retirer à Monkey Mountains pour épouser Martha. Je voulais être un chasseur de trésors. Je rêvais de trouver l'Eldorado, mais je ne l'ai jamais trouvé. Harry a quand même amassé un joli petit pécule sur lequel il veille farouchement. J'ai quelque chose là derrière, quelque chose pour me défendre. Mais ça, c'est pas suffisant. Il t'en faut un plus gros pour te défendre. Un petit comme ça. Avec son trésor, l'ancien mineur s'est offert cette épicerie. Les journées sont longues, alors pour tuer le temps, il engloutit des litres de vodka et pousse le volume de ses enceintes au maximum. Au grand désespoir d'Hector, son malheureux voisin. Il me dérange tout le temps. Tout le temps. Je l'aime pas, c'est loin d'être un ami. Il est abusif, il est faux. Il veut tout posséder. Hector est né sur l'île de Sainte-Lucie, dans la mer des Caraïbes. À l'âge de 8 ans, il est arrivé au Guyana avec sa mère. Quand je suis arrivé dans ce coin-là, je rêvais d'une vie pleine de réussite. Tout particulièrement dans l'or, les diamants et l'agriculture. J'ai vu des gens devenir riches avec ça. À 82 ans, il n'a plus la force de chercher de l'or. Il a récupéré toutes les concessions de la région et espère les louer à des mineurs de passage. Mais les affaires ne sont pas bonnes. Complètement vide. Tout comme son antique coffre-fort. C'est vide ? Ouais. Enfin non, il n'est pas vide. C'est le certificat de naissance de mon fils. Cette maison, c'est la seule richesse du vieil homme. J'aurais voulu l'agrandir, l'aménager mieux. Mais bon, ça s'est passé autrement. On n'a pas toujours ce qu'on veut, surtout ici. Hector n'a pas perdu l'espoir. Depuis sa terrasse, il continue de guetter l'arrivée de mineurs prêts à louer ses concessions. Mais à Monkey Mountains, la ruée vers l'or s'est terminée il y a bien longtemps. Et l'horizon reste désespérément vide.